Alors la classe aménagée fait partie des projets qu'on désire mettre en place depuis 4-5 ans. L'idée de base, c'est d'en donner plus aux enfants, de leur permettre de faire plus de hockey déjà dans de meilleures conditions. Et l'organisation de la semaine est la suivante. Ils ont hockey le lundi en plus avec une prépa physique, leurs deux entraînements club, et on a le mercredi une étude surveillée organisée par le club qui rentre vraiment dans le projet, puisque l'idée c'est vraiment section sportive scolaire. Et le vendredi, un autre créneau de glace pour leur permettre de, bah, finalement, de pratiquer 4-5 heures de glace par semaine au lieu des deux clubs. À la base, l'idée, vu qu'on est dans un projet de reconstruction du club, la base pour l'instant, c'est vraiment de leur permettre de faire plus de hockey dans de meilleures conditions. Évidemment, en mettant ça en place, on va obligatoirement avoir un niveau qui va s'élever, et puis on va avoir des enfants qui vont avoir l'idée de partir dans des plus gros clubs. C'est pas l'objectif du club, mais effectivement, si on a des bons éléments qui après veulent partir, et ben, on va dire que c'est la loi du sport, et puis on fera en sorte de les mettre dans les meilleures structures possibles pour qu'ils puissent évidemment évoluer au meilleur niveau possible. Ben, on finit les cours plus tôt le lundi et le vendredi, puis, on va au hockey. Et puis moi, je suis pas au collège avec eux, mais je peux quand même faire la classe aménagée. Je trouve que c'est assez bien parce que comme j'ai un emploi du temps qui me le permet, je peux faire plus de hockey. Oui, on a déjà joué tous ensemble. On s'entend super bien, on rigole.